So today we have a conversation with Claude Chevrier, who has been involved with one of the Housing First pilot projects in Paris, in part of a Foresight program in France. And we're going to be discussing with him his experience of working with homeless and vulnerable people and the learning and some concerns about the way that the Housing First pilot has operated. So we have Claude, and we have, as a translator, because Claude speaks no English, we have... As it happens, his sister, Hélène. So, there we are. So, hello, Claude. And bonjour. And hello, hi. Hélène. So, Claude, can we begin with you just explaining what your involvement with this pilot study was? Alors, je suis donc Claude Chevrier, directeur de quatre centres d'hébergement à Paris. So Claude is the director of four centers, four hostels in Paris. Ces centres d'hébergement se trouvent rassemblés dans le 13e arrondissement, sous la responsabilité du Centre d'action sociale de la ville de Paris. These establishments, je me rappelle plus là ce que tu as dit. Sont situés. Yeah, they're all in the 13th arrondissement in Paris, and they're under the responsibility of Centre d'action sociale de la ville de Paris. The social action of center of Paris. Yeah. Et le quatrième se trouve donc à Thiers, une nouvelle structure que nous venons de créer, qui est expérimental pour l'accueil des personnes de plus de 50 ans présentant des troubles d'addiction et des problématiques de santé mentale. And the fourth one is in Thiers, which welcomes. Whoops. What's happening now? Cannot record. Not enough available storage. Oh, I hate this damn thing. Oh dear. I'm going to have to stop this for a moment. Well, we can carry on, in fact. Yeah, okay. For reasons I do not understand, this thing thinks it's full. So the fourth one is Thiers, and it welcomes people who have addiction problems. And the people who are more than 50 years old with addiction problems. Donc structure innovante parce que sur place, donc ce centre d'hébergement, donc il y a un SIAD qui veut dire un service de soins infirmiers à domicile. Yeah. It's an innovation because this service is offering care in the home. Mm-hmm. So this is the service of the center. That's the fourth one. The fourth one provides the home service, donc, and the others are simply hostels. Donc ce centre réunit 73 personnes. In their center, there are 73 people. Yeah. En ce qui concerne les centres d'hébergement situés dans le 13e, la Poterne des Peupliers, le centre d'hébergement et de réinsertion sociale Poterne des Peupliers, accueille 155 personnes, des hommes, des femmes et des couples, âgés de 25 à 65 ans. Mm-hmm. So the center in Paris, La Poterne des Peupliers, welcomes, comment tu m'as dit, 155 personnes. 155 people from the age of 25 to the age of 65 ans. 65. Des hommes, des femmes, des couples. Yeah, men, women, and couples. Okay. And we have some of the details of this in the article that you had published in Housing Care and Support, in the journal. Tu l'as écrit, c'est ce que tu as écrit sur ton, dans ton article. Mm-hmm. Mm-hmm. Now, one of the things that's said in that journal is that before participating in the Housing First pilot, a lot of time and care and money had gone into developing the hostels as more humane, humanitarian places. Mm-hmm. Yeah. Alors avant l'expérience du Housing First, je sais pas comment tu dis déjà, d'abord Le logement d'abord. Le logement d'abord.
Beaucoup de temps et d'argent ont été mis dans le projet des hébergements, hein, pour les développer comme centre humanitaire, quoi, des bons centres, oui. Beaucoup d'argent. De l'argent, on va, et on va de, dire que. Et de soins. On va dire et que de soins. C'est-à-dire, c'était d'abord, c'était la, le premier, c'était depuis, très important. Depuis de nombreuses années, mm-hmm, donc mm-hmm, les centres d'hébergement bénéficient, yes, d'un, mm-hmm, d'un, comment dire, d'un financement d'État, mm-hmm, hein, depuis, mm-hmm, depuis, on va dire, la libération. Mm-hmm. Since the end of the Second World War, yes, there's been money put in, mm-hmm, hostel development. Auparavant, avant les centres d'hébergement, ça s'appelait des asiles de nuit. Mm-hmm. Les asiles de nuit, c'était des établissements qui accueillaient les gens, comme le nom l'indique, que pour la nuit. Mm-hmm. Ils rentraient, mm-hmm, à 17h le soir et ressortaient le lendemain à 8h le matin. Mm-hmm. So before the hostel movement, there were night asylums where people could access around 5 o'clock in the evening, and but they had to leave in the morning. So this is probably what we would call a night shelter. Yeah. Asile de nuit, night shelter. Yeah, yeah. And could you describe the philosophy, the thinking, the values perhaps, behind the changes in the way the hostel worked in the time that you've been involved? Est-ce que tu peux expliquer les changements qui sont arrivés pendant que tu étais, toi, tu as voilà, travaillé? Les centres d'hébergement auparavant sont des centres très importants qui accueillent beaucoup de gens, beaucoup de promiscuité, beaucoup de problèmes de comment dire, de voisinage, de voilà. Et dans un premier temps, les gens, lorsqu'ils arrivent, avant que je dirige ces centres, ce qui était très important, c'était la surveillance. Mm-hmm. La surveillance, c'est-à-dire que ces gens étaient pas accompagnés, mais surveillés. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on veillait essentiellement à la sécurité de ce qui pouvait se passer au sein des établissements. Before Claude got involved, it was the hostels used to welcome quite a big community of people who were monitored in order to avoid difficult situations, and the main task in the hostel, controlling disruptive, disruptive behaviors. Nous avons the country of Foucault. After yes, all. I know. Nous avons travaillé sur l'accueil inconditionnel. Mm-hmm. Nous avons mis en place un accueil inconditionnel. So Claude worked on the unconditional welcome of the people, you know, access the hostel. Accueil is one of those words that I think in French, perhaps in Lacan, mm-hmm, thinking, mm-hmm, is quite a rich and complex. It's reception, but it's welcome, it's engagement. It's, mm-hmm, it's quite a big word. Mm-hmm. Am I right? Yes, c'est difficile pour nous traduire accueil, parce que c'est pas seulement la réception, c'est la. Accueil, c'est l'hospitalité. L'hospitalité. How do you, welcome someone in a place like that? Auparavant, le public était trié. Mm-hmm. Trié. There was before it was just a how do you call it? I don't know how you call it. Triage. Triage. So you divided up people. Les gens n'étaient pas accueillis lorsqu'ils sortaient de l'hôpital psychiatrique. Lorsqu'ils sortaient des prisons, lorsque les gens étaient trop alcoolisés, ils, mm-hmm, ne rentraient pas dans les centres d'hébergement. Les gens étaient triés. So you filtered out. Yeah, they were filtered. Yes. Oh, okay. Moi, j'ai ouvert à accueillir tout le monde, mm-hmm, toute personne qui présentait un problème, une difficulté d'hébergement, de logement. Je les accueillais. Mm-hmm. Mm-hmm. And there were a lot of changes besides a change in the philosophy, a more humane, I think, is the word. Am I right as well that it used to be single sex and it's now
Auparavant, il n'y avait que des hommes. Mmh. Maintenant, donc, nous avons introduit mmh. donc la mixité mmh. et aussi l'accompagnement. Mmh. L'accompagnement social, éducatif. And we can show some pictures of the way the building was adapted to make it much more attractive. We can show these pictures. But also the ways in which you arranged living within the hostel to make this more constructive. Alors, ils veulent montrer, ils parlent avec des photos, on va voir comment tu as arrangé, tu as introduit une nouvelle architecture pour accommoder la mixité. Mais what else did you say, the architect, and what else? There seem to be other things that were designed more to create social opportunities. Oui, oui. Opportunities to do something constructive, to engage, yeah. To be richer citizens, perhaps. Mm. Quoi d'autre est-ce que tu as introduit pour une vie communautaire? Alors, on a mis en place une cafétéria. Oui, une cafétéria. Une bibliothèque, mm-hmm. un centre... un cybercafé. Yeah, so a café, library, wifi kind of place. Bibliothèque, yeah. Nous avons aussi salle de réunion, yeah. salle de télévision. Meeting room, TV room. Salle aussi pour le linge, pour les machines à laver. Là. Yeah. Washet area, yeah. Mm-hmm. Voilà, toutes ces... voilà. Et beaucoup de petits espaces où les gens peuvent se rencontrer. Small space where people can meet, yeah. Voilà. So these are what we call social spaces. Particularly when they're family, yeah. Pour la famille, toutes des choses comme ça, oui. When the family comes and visits. Une, comment dire, un espace famille, mm-hmm. c'est-à-dire où les gens peuvent amener la famille de l'extérieur avec la possibilité de se faire à manger, mm-hmm. possibilité de, comment dire, de faire venir des enfants, voilà aussi, yeah. dans cet espace. So et des appartements extérieurs, des appartements pour accueillir les enfants des parents isolés. Sorry, I was somewhere else. I didn't listen. Nous avons mis en place deux appartements pour que les personnes que nous accueillons puissent accueillir leurs enfants dans les appartements pendant les temps de week-end et de vacances scolaires. So there are two flats available for family to come and stay. Mm-hmm. To meet des appartements. Yeah. Yeah. So really a lot of efforts both to create a new life mm-hmm. that allow people to recover, we would say, mm-hmm. but also to reconnect with family and with other workers. Mm-hmm. Was this a multidisciplinary thing? Did you have workers from mental health and other? C'est pas seulement pour que les gens se sentent mieux, mais c'est aussi pour apprendre à vivre avec les autres. Ce que tu viens d'expliquer, la famille pour réunifier avec la famille. C'est-à-dire que le public que nous accueillons nous amène à construire des projets pour retrouver du lien social, pour mmh. pouvoir mmh. vivre avec les autres, mmh. mais parce que c'est un public qui est très isolé, qui se trouve exclu. Mmh. Je fais une distinction entre la précarité et l'exclusion. Mmh. La précarité, ce sont des gens qui n'ont pas les moyens de vivre en autonomie. Mmh. Et l'exclusion, ce sont des gens, c'est même pas une question de moyens, ce sont des gens qui sont coupés de toute relation. So you've got, yeah, you've got the exclusion, which is you're cut off completely from others. But you have also people who are economically precarious, mm. who've got not enough money. Now, there's a distinction between the two to be made. And your centre is working with both, but working particularly with those who are radically excluded. Yes. And emotionally as well as physically, is that right? Mm. Alors, les gens qui sont exclus émotionnellement, mais aussi physiquement, c'est ça? Les deux. Ce sont des gens qui n'ont plus de, qui sont coupés de toute relation. Mm-hmm. Completely cut off from relations to others. Yeah. And from what I understand in your experience, living in the what we would call the hostel, the centre d'hébergement, gave opportunities for those people to recover some sense of having a more rounded life, having more self-respect. Oui, pour les, tu encourages les gens pour avoir plus de respect avec eux-mêmes et les autres. Ben, c'est surtout avoir un endroit où se poser,
dormir, manger, pouvoir être accompagné aussi par des professionnels de qualité, des psychologues, des éducateurs, des assistantes sociales, pouvoir rediscuter, parler un petit peu de comment ils envisagent leur avenir, qu'est-ce qu'ils souhaitent faire. So it's not only about the primary needs, you know, of sleeping well and eating and getting health care, it's also about talking with others about your future. C'est le travail en fait, c'est lié le collectif et l'individuel. La personne n'est jamais seule et la personne en même temps peut aussi vivre, partager des choses avec un collectif. Yeah, it's actually linking the individual with the collective. So it's the individual and the group. Okay. So, with this development of the service in your centers in Paris, you are then invited or you are volunteered to take part in this experiment with Housing First, chez Soi d'abord. Right. Can you describe how that happened? Est-ce que tu peux décrire comment tu t'es comment tu as été tu t'es intéressé avec Housing First? Alors, comment tu as été quand l'expérimentation nationale a été quand l'appel à projet au niveau national a été lancé. When the national call for projects was sent, out. J'ai fait en sorte que Paris, que la ville de Paris, que le centre d'action sociale de la ville de Paris soit au sein même de cette expérimentation. I made sure that the qu'est-ce que tu as dit, comment tu l'appelles? J'ai le centre d'action sociale. Yeah, the social action center. Yeah, was involved with the center of the project. So you bien que sachant que cette expérimentation n'allait pas dans le sens de ce que nous faisons au centre d'action sociale. Despite knowing that the experimentation wasn't going in the sense of actually supporting the hostel movement. J'ai voulu que nous soyons dedans et les élus parisiens ont accepté ma position. He wanted to be directly involved and the Parisian elected people agreed. Le maire de Paris, Paris mayor, Bertrand Delanoë à l'époque, a accepté que nous rentrions dans cette expérimentation. Now I know from your article that there were particular severe difficulties in Paris in finding housing for the Housing First policy to work with, so that we can take as read. What I'm interested in now. Can I say to Claudia? Il sait après avoir lu ton article qu'il y a eu des problèmes à Paris parce qu'il n'y avait pas assez d'appartements. Alors ça, on va le laisser de côté. On continue. And this was accepted by the researchers. Ça c'était accepté par les chercheurs. What I'm interested to understand now is what doubts you have, what reservations you have about this policy when it is implemented, that to lose what has been happening in the hostels, is this an important loss, or do you think that there's generally a big improvement in your experience with from the Housing First cohort? Alors, quels sont tes doutes au sujet du projet? Nous sommes pris dans des contradictions, puisque nous pensons, bien évidemment, comme toutes les associations qui militent en faveur d'un logement, nous pensons que chaque être humain doit pouvoir bénéficier d'un logement digne. Alors, qu'est-ce que tu attends? We are aware of the contradiction of our position. We do believe that every individual has the right to have a place to live. Seulement, nous connaissons aussi la difficulté psychique pour certaines personnes d'habiter un logement. But we also know the psychic difficulty for someone who's been living on the street for many years to live in, to inhabit a house. And again, inhabit is one of those words with a richer meaning about. It means really having your whole. Taking your space, the space, living in the space. Et combien nous savons que, avant même d'habiter un lieu,
il faut habiter son propre corps mm-hmm. pour pouvoir mm-hmm. that vivre we know, dans un yeah. lieu. And we know that before you live in an environment, you need to live in your body mm-hmm. well enough mm-hmm. yeah, to inhabit your body. Mm-hmm. Et que le public qui est invité à participer à cette expérimentation Housing First, nous le connaissons ce public, c'est le public avec lequel nous travaillons mm-hmm. et nous savons combien ces gens ont du mal, ont des difficultés à habiter seuls un logement. And the people who are involved in this experimentation are the people we work with, and we know how difficult it is for them. Qu'est-ce que tu avais dit? Quand ils viennent de la rue. When they come from the street, how it is for them to live in that kind of environment. Yeah. Mm-hmm. Is that clear? Et nous savons combien le collectif peut aussi aider ces gens à se rétablir. Yeah. And we know how much the collective, the group, can help people to get better. Mm-hmm. Et que c'est que le collectif n'aura pas un regard persécutant envers ce public, mais plutôt aidant que persécutant. Alors que les gens qui vont vivre seuls dans un appartement au milieu d'autres gens qui ont une vie peuvent ressentir un regard persécutant par leur environnement. So yeah, if you are in a collective, in a place where you're supported, we know that collective is actually healing and accepting. In the opposite way, if you go and live amongst, you know, the general public, there could be actually difficulty to be accepted. Often there's not the same acceptance, and it can be very negative and persecutive. Alors que les personnes qui viennent au centre d'hébergement, il n'y a pas ce regard persécutant et il n'y a pas non plus ce regard rejetant. C'est que les gens sont accueillis tels qu'ils sont. When you access a hostel, you accept us as you are. Mm-hmm. And it's not the case when you live in a community. No, you can go from being excluded on the streets to being excluded in a flat. House, but you're still just as excluded as ever. Yeah. There was a question I was going to ask there and I've now completely lost it. never mind, we'll just have to carry on. Quels sont les effets? When we were talking earlier, you used a phrase that I didn't at first understand because the accents are different. But I think it's what we call peer support or peer help when somebody with lived experience of the problem reaches out and helps another and becomes sometimes just somebody who can engage, but sometimes also a role model of somebody who has moved on. Tu parlais alors des... des gens qui ont fait l'expérience mais qui se sont rétablis et qui comment peut-il aider d'autres personnes qui ont des problèmes encore à nouveau. Tu parlais de ça donc, des pères aidants des pères aidants c'est ça voilà. So peer helpers aidants helper so peer support. Alors, les pères aidants ça part d'une expérience en France qui était menée par les alcooliques anonymes. Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Oui, en France. Oui, c'est ça. Les alcooliques anonymes, ce sont des gens qui se sont rétablis et qui, pour continuer à se soigner, vont rencontrer d'autres personnes qui se trouvent soit en soins ou pour faire de la prévention, parler de la problématique de l'alcool et ce que eux ils ont pu ressentir. Et ces personnes, mieux que des professionnels, peuvent parler de ce qu'ils ont pu ressentir de cette addiction. Mm-hmm. Yeah, that comes from Alcoholics Anonymous and the experience of peer helpers or people who have because they have the experience can help maybe better than professionals. Mm-hmm. In the UK, yes, I think perhaps it did begin with peer support, but in substance abuse drug services, and the last 10 years in psychiatry and mental health services,
this has become a very, very big movement with a lot of evidence that this is often certainly as effective as professional support. And ideally, when the two are working together, you have the best combination. En Angleterre, c'est le père aidant, c'est devenu très très important les deux dernières années. Et quand les pères aidants travaillent avec les professionnels, il y a un résultat très 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 positif. Très positif. Nous répondons à un appel à projet aujourd'hui, justement, sur une expérimentation de pères aidants. They at the moment they're very much involved with that too in in France. They're answering an experimentation around peer helpers. Avec nous faisons équipe avec des chercheurs. With a team researchers and professionals. I know that again in the United States, working with alcohol, they develop what they call the clubhouse models, where people who sometimes might live for a period in a central building, afterwards they might living in their own flat, but they can return to the original building and it becomes a community centre. Oui, aux États-Unis, ils ont fait l'expérience du club, où on va dans, d'abord on commence dans être dans un... C'est comme une hôtel, un groupe, et puis on peut aussi vivre seul, et on peut retourner si on veut, à l'hôtel. Il y a un mouvement possible entre les deux. Il y a une communauté qui se développe. Then you have somewhere like the Emmaus communities, which oui, we have in England Emmaus, too, oui. Where oui. there are very few professionals. Oui. All of the support is from the community. It's the community themselves. And they don't have any money from the state. That's a very rich. Ils ne reçoivent pas du tout d'argent du gouvernement, les Emmaus. C'est tout communautaire. In fact, they donate money to other... charities. Ah bon, ils donnent l'argent à votre charité. So, if we do move towards housing people more quickly in their own homes, this is a good thing, so long as the process of getting there is constructive and not rushed for policy reasons. Alors, si housing first... what you said now. Remporter tout. Devenez un modèle. Oui, devenez un modèle. Il y aura besoin de qu'on se presse pas. Il faut pas qu'on se presse pour arriver vite à Housing First. Il faut qu'on soit constructif, tout doucement. Qu'il faut qu'on. Je sais pas. Je n'arrive pas à le dire en français. Je suis fatiguée. Hein. J'arrive pas à le dire en français. It's been a very long day. Je pense que. Je pense que Housing First, un chez soi d'abord peut être utile pour certaines personnes. Peut être utile pour certaines personnes. Pas pour d'autres, pas pour tout. Il faut que chacun puisse y trouver une possibilité dans son projet personnel, soit d'habiter individuellement ou d'habiter collectivement. Nous accueillons des gens qui vivent en centre d'hébergement et qui, au bout de 2-3 ans, nous disent qu'ils en ont marre de l'hébergement et qu'ils aspirent à vivre dans un chez-soi, eh bien, nous les aidons à aller dans un chez-soi. Ils sont in the hostel. Nous avons des appartements. Nous avons 50 appartements. Ah, so you have your nous own... avons 50 appartements et nous avons du mouvement dans ces appartements puisque les gens, de par le droit commun, obtiennent aussi la possibilité d'avoir des logements sociaux. Donc, c'est c'est une passerelle. Ils vivent dans ces petits appartements, et puis après, rapidement, ils ont des appartements, on leur donne des appartements. Et nous, ça nous permet de, eh bien, ceux qui ne supportent plus la vie en collectivité, de vivre en hébergement, eh bien, d'aller dans les appartements. Yeah, they've got the same. They've got, if people after 2 or 3 years have had enough to be in a hostel, they've got 50 apartments where people can stay for a while before they get their own place. And are the apartments? And there's a lot of movement in and out between the hostel and the apartments. So in other words, someone can try out. Yeah. Living independently, and ils peuvent essayer pendant un moment. C'est ce qu'on appelle des appartements relais. Relais. Uh-huh. Nous avons, nous, sur le pôle Rosa Luxembourg, 500 places d'hébergement.
They've got 500 places in the hébergement et 50 appartements. Mm-hmm. So 500 places for the hostel and 50 apartments. Amongst the whole floor. And it's the apartments are a bridge to if people want to live by themselves. Mm-hmm. But quand ils sont dans les appartements, ils sont toujours supportés. Toujours suivis. Oui. And then if you are if you choose to be in the apartments, people are still looking up. You know, there's still a team supporting you. In London last week, I was visiting a hostel. I'm visiting in the Emmaüs community as well, in fact. But the next day, I was visiting a hostel. Il a visité Emmaüs et puis aussi un hôtel. Oui. 20, 30 people, so quite small. They had 20 ou 30 personnes. They were telling me that after people have lived there for any period, they have people coming back to the same hostel if they have any problems or if they just want some company. Mm. They come back to the same hostel because this is the community. Mm. Alors s'ils quittent et ils vont vivre, tu sais, ailleurs, ils peuvent toujours revenir pour parler aux gens, pour... Oui, it's the same. And if they have a problem, the workers there know this person. They don't have to tell all of their stories. Si ils ont un problème et quelqu'un qui les connaît, alors il y a tout de suite... Les personnes que nous accueillons, parfois, quand ils obtiennent un appartement, ils viennent me demander, ils viennent me dire, monsieur le directeur, si j'ai un problème dans mon logement, est-ce que je pourrais revenir? Often people do that with Claude. If they have an apartment, they come and see him and say, if I have a problem, can I come back? And Claude says, yes, sure, you can come back. And the funding that pays for your staff allows you to do this. You've got the money for it. It's accepted. Funding. Tu as l'argent pour ça, pour faire ça. Mais je me débrouille avec mon budget. Claude has to find the money. So if that is the need, you can do it because it's devolved to you. Oui, that responsibility. Oui, c'est ça, because he's a director. Il fait j'en ai rien à foutre. Yeah. Je m'en fous. So is there possibly a constructive marriage between the hostels and the centre and the housing first policy, where housing first gives people the right to housing, but the hostel gives them the experience of recovery and the support they need afterwards? Is this the way we might get the best of both worlds? Est-ce que c'est le futur alors d'avoir, il y a les possibilités d'appartement, mais il y a aussi l'hébergement où les gens apprennent à vivre avec les autres et ont du support. Qu'est-ce qu'est le futur? Oui. Le futur, pour moi, c'est l'agencement de toutes les possibilités, toutes les situations. C'est continuer à créer créer des expériences pour que les gens puissent se sentir au mieux dans leur vie et évoluer dans leur projet, tu vois. Claude thinks that really it's about supporting all possibilities. So because the aim really in the end it's to offer people possibility to experience how to feel good about themselves, to have a good life, as good as possible. Helen, I'm aware that you're very tired. I'm tired, yeah. Thank you so much. It's very hard to translate. It's very hard work, isn't it? It's much easier for me to translate. C'est plus facile pour moi de traduire de l'anglais au français que du français en anglais. Mm-hmm. I can translate the English to French easier than the French into English is much harder. And sometimes I understand what you're saying because we've talked about this and I've read the paper and so on. Yeah. But I'm aware that as well other people watching the video, we do need to stop this, but it does. Yeah. Thank you so much for Helen. You're I welcome. Really, really appreciate it. Okay. And Claude, thank you so much. Merci. I will try and come. I will promise to come to Paris next year. Okay. Hopefully I bring a group of other friends of mine as well and we can start to have a rapprochement. Yeah. But some of the things that we are doing in England at the moment are really closer to what you're trying to do. Mm. Oh, ce qu'il fait en Angleterre, c'est très proche de ce que tu veux faire. One last question. How the work that you're doing in Paris, this very humane, much more careful, much more humanistic, how unusual is this?
in France. Ce que tu fais à Paris, est-ce que c'est très, c'est ce qu'on fait dans tout le pays? Non, non, c'est pas, c'est personnel à toi, c'est spécial. Mm-hmm. No, it's special to his. It's his own project. So we really nous sommes les seuls à avoir développé cet accompagnement sur quatre dimensions: social, éducatif, culturel et soins. They are the only ones with the four dimensions. Mm. Yeah. What did you say? Social, social education, soins, caring, et culture. And cultural. Mm-hmm. Mm-hmm. This is very much what many of our centers in England are trying to do. We really need to get us talking together about how we develop. Join forces. Claude, thank you very much. Hélène, thank you in particular. It's all right. Notre projet, par exemple, c'est d'avoir une troupe de théâtre en résidence. Mm. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. On voudrait inviter, accueillir une troupe de théâtre qui vive au sein du centre d'hébergement pour créer leur spectacle et vivre avec les résidents et travailler they avec want, eux. They want a theater group to come and live for a while in the hostel. So the play, what they write, the medium is developed from the experience of being with. Our experience of arts work, working with drama or music or whatever, is that it's really, really effective. In two ways. Firstly, if it allows people to express their own experience, that is incredibly powerful. Secondly, if it allows them just, if it just respects, takes an interest in their experience. But even just the practical things of doing something together, faire quelque chose ensemble, exprimer ses sentiments, et aussi que ton expérience est prise au sérieux et respectée. And it creates entirely new opportunities when people can do something, be somebody new. Mettre quelqu'un de nouveau, oui.